Alors comme ça, vous savez tout faire. Monsieur me flatte. C'est marqué dans le contrat. Vous savez tout faire et vous êtes très réussi. J'aime votre physique. Une jolie plastique, le teint, la banalité. Ma femme va adorer. Chantez-nous donc quelque chose. Ce n'est pas dans mes attributions, monsieur. Dommage. Joli timbre de voix tout de même. Vous couchez? Non, monsieur. Je ne vous demande pas si vous dormez. Non, monsieur, ce n'est pas dans mes attributions. Mais vous savez tout faire. Ménage, nettoyage, repassage, service à la personne. Dernier poste en date? Je sors de l'usine. Et vous vous appelez? Joseph, monsieur. Joseph. Arrêtez de mettre des monsieur partout. Bien, monsieur. Bon. Monsieur. Enfin. Joseph. Vous a-t-on programmé l'émission? Quelle émission? Vos missions ici, dans cette maison. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi je suis là? Pourquoi croyez-vous que je vous ai choisi? Pour mes références. Pour ma femme. Bien, monsieur. Il s'agira pour vous de l'assister dans son quotidien. Il va sans dire, monsieur, ménage, nettoyage, repassage. Service à la personne. Service à la personne. Il s'avère que ma femme a un handicap. Très bien. Non. Pas très bien. C'est un élément de langage, monsieur. Je peux en changer. Arrêtez de dire monsieur. Bien, monsieur. Si pour monsieur, mais monsieur dérange, mon mode opératoire se trouve expliqué en fin de contrat. Des options sont proposées, monsieur peut en changer. Non, non, moi ce qui m'intéresse, c'est le service à la personne. C'est mon cœur de métier, monsieur. Vous avez du cœur. C'est un élément de langage, monsieur. Et vous avez de l'humour ou vous êtes toujours aussi prévisible? On m'a formé ainsi, mais si vous le désirez, mon mode opératoire se trouve expliqué en fin de contrat. Oui, merci, on a compris. Bon, écoutez, vieux. J'attends de vous de la délicatesse. Vous la prendrez avec douceur. Ayez du tact. Le mieux est peut-être que j'aille la chercher. Elle ne sait pas que je vous ai acquis. Elle en sera très heureuse. Et en tout cas, moi, je suis très content de moi. Décidément,
Vous êtes parfait. Vous avez une finesse de trait incomparable. Vous êtes de belles factures. Je suis le haut de gamme. Ouais. Pour ça aussi, vous êtes de belles factures. Et je rappelle à monsieur que je ne suis pas à proprement parler un être humain. Je ne suis pas là pour plaire, mais pour satisfaire. Mais si, bien sûr. Les femmes adorent les hommes comme vous. Sans risque, sans rien. Un grand frère, un ami d'enfance, ils en sont d'une compagnie appréciée. Et ça rassure les maris par la même occasion. Et je rappelle à monsieur que je sais, je suis un androïde. Je sais, il n'empêche. Pour une machine, vous êtes au top. Un androïde, monsieur. Un androïde, pas une machine. Pour savoir. Vous dites que vous n'êtes pas une personne et que vous ne seriez pas non plus une machine. Je ne vois pas bien ce qu'il y a entre les deux. Un androïde. Bon, c'est d'accord. D'accord. Maintenant, laissez-moi retrouver mon épouse. Elle ne doit pas être très loin. Mais ce doit rester une surprise. Ne cachez rien. Ce sera ton bras droit. Enfin, je veux dire,
Par contre, second. Non. Ton second. C'est ça. Il vient de seconder. Joseph est cuisinier, homme de ménage, bricoleur, on a tout fait. Un véritable couteau suisse. C'est un robot. Il fera ce que je fais habituellement, des petites choses du quotidien, mais des petites choses qui te coûtent de ne plus avoir quand je m'absente. Bref, il vient m'aider. Vous vous êtes présenté ? Joseph, Android de dernière génération, produit par l'entreprise incorporée, je suis le matricule 1. Merci, merci Joseph. Chérie, je voulais te faire une surprise. J'ai pensé qu'avoir quelqu'un à la maison nous aiderait. Tu sais combien il est difficile d'avoir une bonne aujourd'hui. Mais là, c'est encore mieux. Joseph est un robot. Il suffit de lui dire ce qu'on attend de lui et il le fait. Il sera d'une précision incomparable, méticuleux. Il agit avec tact, douceur et délicatesse. N'est-ce pas, Joseph ? Un androïde, monsieur. C'est une prouesse technologique, un truc hyper connecté. Une aide précieuse. Ma femme vous parle. Je ne comprends pas, monsieur. Je dis ma femme vous parle, c'est pourtant ça. Je ne comprends pas, madame. Faites un effort. Elle ne dit rien. On va reprendre. Joseph, règle numéro 1. Quand mon épouse est dans la pièce, vous adressez directement à elle et non par mon intermédiaire. Vous comprenez? Vous ne dites pas « elle ne parle pas », mais « je ne vous comprends pas, madame ». Vous ne dites plus « elle ne parle pas », mais « je ne vous comprends pas, madame ». C'est ça. T'es d'accord? Oui, monsieur. D'accord. Oui, monsieur. D'accord, d'accord. Oui, monsieur, monsieur. Répétez ce que je viens de dire. D'accord, d'accord? Non. Répétez la consigne. Vous ne dites pas. Elle ne parle pas, mais je ne vous comprends pas, madame. Ne dites plus. Elle ne parle pas, mais je ne comprends pas, madame. Enfin, le madame, c'est comme le monsieur. Vous n'êtes pas obligé. C'est d'accord? Vous me désespérez. Chérie, il n'a certainement pas été programmé exactement pour notre situation. Dis-toi bien que ce n'est qu'un robot. Il est même capable de s'auto-évaluer, de se corriger. Il l'a assuré. Et puis c'est marqué dans le manuel. Et si tu t'énerves, tu as même le droit de l'engueuler si ça te soulage. N'est-ce pas, Joseph ? Monsieur ? Oui, Joseph ? Madame, monsieur, veuillez excuser ma maladresse. Merci, Joseph. Monsieur ? Oui, Joseph. C'est un accident ? De quoi parlez-vous ? Madame, c'est un accident ou un vaccin ? Tu es fou, imbécile ! Chérie, rappelle-toi, c'est une machine. Je ne suis pas une machine, je suis un androïde. J'ai des droits. Oui, et bien ça ne vous donne pas le droit de parler ainsi à ma femme. Non. Non. Oui, très bien. Décidément, moi, pour une machine, je le trouve très naturel. Madame, demandez-moi ce que vous voulez, je fais ménage, nettoyage, repassage et
service à la personne. Joseph, dégagez. Oust! Ça va? C'est incroyable, tu ne trouves pas? Physiquement, on dirait un homme. Son phrasé, ses attitudes. Fini les robots à la voix synthétique. Ils parlent comme nous. Pardon. Et il est sous garantie à vie. Je l'ai pris en leasing. Ça coûte, mais tu n'auras pas les inconvénients d'un employé ordinaire. Les congés, les maladies, les ragots, les jugements, avec lui, ce sera sans surprise. Il ne te plaît pas? Aujourd'hui, il est difficile d'avoir de l'aide. Je le comprends, d'ailleurs. Travailler des heures indues, repasser les culottes, aider à la toilette, tout ça, c'est délicat et compliqué. Mais là, ce n'est pas une personne. C'est parce que j'ai pris un homme, c'est ça? Mais ce n'est pas un homme. Il en a le physique, force, besoin, mais ce n'est pas un homme. Il n'est pas sexué, pas de sexe, pas de geste déplacé si tu es venu. Avec lui, c'est pas de sentiments, pas de préjugés, pas d'attention. Non, il ne te regardera pas comme un homme, je peux te l'assurer. Absolument. Il te calculera, il ne te regardera. Ah, il ne te voit pas, il t'ignore. Eh ben, il apprendra. Non, c'est pas vrai, tu ne peux pas dire ça. Et puis, tu ne peux pas rester seul quand je m'absente 3 jours pour mon travail. Il peut sortir en ville avec toi, te distraire, aller au ciné, faire des promenades. Ou des jeux de société. Par où dois-je commencer, madame? Que voulez-vous dire par blablabla? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pouvez-vous formuler votre réponse autrement? Repassage ou nettoyage? Repassage ou nettoyage? I'm running or cleaning? If I speak English, you understand, right? Qu'est-ce que vous faites? J'essaie de me faire comprendre, madame, monsieur. Elle n'est pas sourde. Non, monsieur. Alors pourquoi hurlez-vous? Pour me faire comprendre. Avez-vous compris qu'elle comprend?
C'est vous qui ne comprenez pas. Alors que vous le parliez en français, en anglais ou en hongrois, ça ne vous fera pas comprendre ce qu'elle tente de vous faire entendre. Vous comprenez? Je voulais juste savoir par où commencer. Commencez par l'écouter. Je voulais juste savoir par où commencer mon travail. C'est ça, votre travail. Ça va, ma chérie? Je me disais, madame parle-t-elle la langue des signes? C'est pour demain. Pour demain, bonne nouvelle, je saurai attendre. Je connais bien la langue des signes, nous pourrons communiquer. C'est pour demain. Le langage des signes nécessite l'usage des deux mains. Ah ! Excusez-moi. Ne vous excusez pas. Sortez ! Oui, je sais. J'essaie d'imaginer. Avoir été avocate, manier le verbe, les idées, et de retrouver cloué sur un fauteuil avec toutes les difficultés pour communiquer, ça doit être très frustrant. Je l'admets. Mais lui, il sait lire, écrire, parler. Son application est sérieuse. Profite-en. Et puis toi, tu n'es pas une machine, tu ne peux pas t'implanter un programme vocal. Par contre, toi, tu peins, tu ressens, tu as des émotions, tu aimes, on s'aime, non? Je suis à tes côtés. Tu as quelqu'un sur qui compter. Je serai là pour toi, toujours. À propos, quel jour sommes-nous? Joseph, venez voir, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Joseph, je m'absente demain pour 3 jours, un séminaire de dernière minute, vous savez ce que c'est? Non, c'est pas grave. Enfin, je serai donc absent. Je dois pouvoir compter sur vous. Bien, monsieur. Oui, excuse-moi, ma chérie. J'ai dû oublier de t'en parler. Ah oui, Joseph. Profitons-en pour vous rappeler quelques consignes d'usage. Ah bien, monsieur. Primo. N'oubliez jamais ces médicaments. À chaque repas. Très bien, monsieur. Deuxièmement, pensez à recharger son fauteuil. Tous les soirs, la batterie s'essouffle vite. Très bien, monsieur. Tertio, faites preuve d'initiative. N'attendez pas tout d'elle. Proposez-lui des distractions, des sorties. Le musée, elle adore le musée. Racontez-lui des anecdotes, elle adore les anecdotes. Parlez-lui de vous, de votre histoire, de monsieur. Oui, Joseph. Monsieur, je n'ai pas d'histoire. Oui, c'est vrai, j'oubliais. C'est pas à moi. Lisez. Racontez-lui vos lectures, soyez imaginatif, créatif, surprenez-la. Et surtout, surtout, pensez à recharger le fauteuil tous les soirs. S'il tombe en panne, qu'elle prenne le manuel. Le manuel d'instruction. Non, le manuel, le fauteuil manuel qui vient en secours du fauteuil électrique. Ah bien, monsieur. Par contre, il faudra la pousser. Elle n'aime pas ça. Non,
la pousser pour la faire avancer. Ah, bien, monsieur. Eh ben, c'est pas gagné. Et on vous vend ça pour du haut de gamme. Mon... Oui. Je suis au service de madame et monsieur. Je m'appelle Joseph. Je suis là pour aider les personnes. Je suis là pour aider madame et monsieur. Je suis là pour aider madame et monsieur dans le quotidien. Je suis là pour aider madame et monsieur dans le quotidien de tous les jours. Je suis là pour aider madame et monsieur dans le quotidien de tous les jours et je dois suivre les consignes. Je suis là pour aider madame et monsieur dans le quotidien de tous les jours et je dois suivre les consignes de madame et monsieur sans dire madame et monsieur. Je suis là pour aider dans le quotidien de tous les jours et je dois suivre les consignes de sans dire Je suis là pour aider au quotidien tous les jours sans oublier les médicaments. Je suis là pour aider dans le quotidien tous les jours sans oublier les médicaments, tout en rechargeant les batteries tous les soirs, en prenant à deux mains le manuel. Tout en faisant preuve d'initiative comme aller au musée, lui raconter des anecdotes sur la vie que je n'ai pas, et l'écouter quand elle ne parle pas. C'est difficile, un handicapé. Je suis un androïde, pas une machine. C'est difficile, un handicapé, pas une machine. C'est difficile d'être androïde. Je ne suis pas handicapé. C'est difficile d'être l'androïde d'un handicapé tout en restant un androïde sans handicap. Je suis multitâche tous les jours au quotidien. Je m'appelle Joseph. Ce matin, madame. Non. Bien, madame. Madame. Non, monsieur n'est pas là.
Monsieur, mais pas monsieur. Je veux dire, madame, votre mère est là. Monsieur, votre père, n'y est pas. Madame, monsieur, vous savez bien que madame ne peut pas. Je transmettrai un message à monsieur si monsieur le désire. Madame, votre mère, vous êtes sûre? C'est le fournisseur d'électricité, madame. Je vous la passe. Allô? 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 Ils ont rapproché. Madame, désire-t-elle un café? Avec ou sans sucre? Pardon, je vous le fais sans sucre. Sans sucre, d'accord? Donc, vous m'avez dit un café avec sans sucre. Serré ou allongé? Vous êtes là, Joseph. Dites-moi, Joseph, j'ai essayé de vous joindre durant mon absence. Personne n'a répondu. Vous n'étiez pas là? Monsieur? Répondez. Monsieur? Ne répondez pas tout de suite quand même. Je vous confie ma femme, et vous ne prenez pas le téléphone, c'est un con! Monsieur... Ne répondez pas! Dites-moi plutôt comment ça s'est passé. À quoi donc, monsieur? Mon absence, c'est 3 jours. Comment s'est débrouillée mon épouse? Très bien, monsieur. Mais encore, êtes-vous sorti? Avez-vous fait le centre-ville, une promenade, un ciné, que sais-je? C'est cela même, monsieur, des promenades, le cinéma. Qu'avez-vous été voir? Racontez, corne d'andouille! Mais monsieur... Quoi? Ah! Bonjour, ma chérie. Une seconde, je suis à toi. Continuez, Joseph.
Je finis avec Joseph. Non. Mais que je te demande quoi? Vous étiez ensemble, quelle importance? Oui, bon, et bien c'est à lui que j'ai posé la question. Excuse-moi, mais il y a des jours où c'est plus facile. Je pense comme madame, monsieur, que ce serait plus pertinent que ce soit madame qui raconte. Je ne vous demande pas votre avis à vous. Rappelez-vous, vous n'êtes qu'un robot, un ordinateur sur pattes, une machine. Oui, ben, android ou pas, je vais vous ramener à l'usine, moi. Bon, alors, comment ça s'est passé? Tu m'as manqué. Oui, bon, ben, il m'énerve. Qui a le fiston? Ah, pour une fois qu'il se souvient de nous. C'est quoi ça? Je ne comprends pas. C'est quoi? Ça, je sais. Il a besoin d'argent. Annie. Il a réussi à faire publier son livre. Super, il va pouvoir nous rembourser. Bon alors t'as vu, on finit par y arriver. Bon, et de ton côté, comment ça s'est passé avec Android? Vous êtes sortis ensemble? Oui. Ça a dû jaser chez l'épicière quand on t'a vu arriver au bras de ce beau jeune homme. Ah, oh, je te taquine. Il est bon cuisinier au moins? Oui. Joseph! Vous allez pouvoir servir, nous allons manger! Et venez donc me voir, j'ai encore deux mots à vous dire. Je vous accompagne, madame? Laissez, Joseph, madame, c'est très bien s'en aller toute seule. Dites-moi, Joseph. Oui, monsieur. Je dois vous dire je ne vous aime pas, Joseph. J'en suis désolé, monsieur. Je ne vous aime pas du tout. En fait, vous m'agacez. Vous m'énervez. Vous m'exaspérez. Pire, vous m'horripiez. Vous m'horripiez, Joseph. Alors, tu ne dis plus rien? Réponds. Pourquoi te tais-tu? Monsieur se rebiffe. Monsieur fait sa forte tête. Monsieur s'oppose. Tu es ma chose, Joseph. Ne l'oublie pas. Rien qu'une chose. Pas plus importante que mon robot électrique. Ne te crois pas supérieur. Je peux me brancher quand je veux.
anniversaire, madame. J'ai pris l'initiative de vous faire lire un bouquet pour que cette journée vous soit belle. Vous n'en voulez pas? Ce n'est pas votre anniversaire? Si, le 10 novembre 1923. Nous sommes le 10 novembre, c'est votre anniversaire. Si, le 10 novembre 1923, vous avez donc 99 ans. Vous avez peut-être raison, le 1923 ne correspond pas, mais nous sommes le 10 novembre. Le 12 août 1960. Vous êtes né en 60. En août. Le 12. Je me disais, on m'aura mal programmé. Et j'en suis désolé. Bonne journée tout de même, madame, et excusez encore mon erreur. Pardon. C'est bien. Moi, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Les plus vieux de mes souvenirs n'ont pas un moi. La nostalgie m'est inconnue, et je ne connais ni la joie, ni le bonheur, et je n'ai pas de projet. On m'a inculqué l'idée que je suis plus qu'une machine, mais je ne sais pas vraiment qui a eu cette idée. Que fais-tu là, bande de mouilles ? Merde.
J'ai failli attendre. Je vous rappelle que je n'ai pas à apporter de sobriquet, monsieur. Et moi, si ça m'amuse de t'appeler corne d'andouille. Corne d'andouille. C'est contraire au contrat, monsieur. Contrat, quel contrat? On peut bien blaguer un peu. Je suis fatigué. Enlève mes chaussures, robot de mes deux. Je ne suis pas un robot, je suis un androïde. Aïe, tout me fait mal! Veuillez m'excuser, monsieur. Tu es à mon service, corne d'andouille, ne l'oublie pas, à mon service. Fais de toi ce que je veux. As-tu fait le ménage? Oui, monsieur, cette nuit, en silence, pour ne pas vous importuner. Descendu les poubelles? Un fait, monsieur. Récurer les chiottes? Un fait, monsieur. Ramasser les mégots? Un fait, monsieur. Arrête tes messieurs, tes messieurs. Oui, monsieur. Tu veux une claque? Oui. Mais c'est une machine, regarde. Elle adore ça. Elle adore qu'on s'occupe d'elle. Ça la rend commune. Comme une poupée. On a envie de jouer avec elle. Ça me donne presque envie d'en prendre une pour moi, n'est-ce pas, corne d'andouille? Ouais, bon, c'est bon. Que dit-elle? Rien. Elle en dit long, pourtant. Rien, je vous le dis. Si. De quoi je me mêle? J'entends votre femme parler. Je vous dis qu'elle vous dit quelque chose. Ça ne vous concerne pas. Ah bon? Non. Vous m'avez demandé de l'écouter. Pas maintenant. Faudrait savoir. Je ne vous demande pas de savoir. Elle vous défend. Ah! Et elle m'engueule. Ah! Elle dit que je n'ai pas à me comporter en salaud avec vous, que vous n'êtes pas ma propriété. Elle sait bien que vous êtes une machine. Mais elle se demande si pour autant elle peut vous considérer comme telle. Je vois bien qu'il est plus facile de cohabiter avec une machine qui parle et se fait comprendre plutôt qu'avec une femme et son handicap dont on n'a pas le mode d'emploi. Vous, vous n'existez pas encore. Elle est déjà là. Elle a peur que si on vous méprise, elle disparaisse à jamais. On sait donner une âme aux objets qui nous sont chers. Ne la retirons pas aux personnes qui nous diffèrent. Elle a vraiment dit ça?